Oui. Nous avons des connaissances sur les plantes, mais il y a ceux qui étudient pour connaître qu'est-ce que l'œil fait, qu'est-ce que l'organe. Mais nous, comme on a la connaissance, donc on connaît tout selon notre connaissance. Oui, c'est-à-dire, je parlais de la définition, vu que vous l'aviez tirée de ceux-là qui sont en train de faire des études sur la Oui, maladie. Et si vous n'avez que le génie de trouver les les remèdes, c'est ça? produits, oui. Si nous, on a par exemple la connaissance, on fait recours vite chez ceux qui ont étudié les blancs pour nous donner la définition. Donc D'accord. c'est le blanc qui nous a donné la Voilà. Nous définition. comprenons donc, docteur, quelle serait la cause, par exemple? Quelle peut Oui, être, peut en être la cause? les glaucomes ont beaucoup de causes. Par exemple, le tabac, par exemple, l'hypertension. Ceux qui fument souvent Oui, ceux qui fument de la souvent la cigarette. cigarette, ceux qui prennent le tabac dans le nez, À priser, là. le tabac, là, ça peut causer ce que nous appelons le glaucome et l'hypertension aussi. Si vous constatez, beaucoup de gens, celui qui souffre d'hypertension, quand vous regardez dans les yeux, il a le glaucome. Et jusqu'à aujourd'hui aussi, il n'y a pas un traitement important pour le glaucome. Même les blancs ne comprennent pas comment traiter le glaucome. Ah bon. Non, il n'y a que le calmant. Or, dans notre connaissance, on sait, on fait les produits pour donner l'espoir aux malades d'être guéris. Il y a des produits que nous utilisons, mais les malades n'ont pas l'espoir d'être guéris. Ils utilisent ça parce que c'est le blanc qui a créé. Donc, chez vous, il y a une solution. Oui, chez Vous nous, avez une il y a la solution. solution. N'est-ce pas, professeur Opassa? Antonio, nous parlons bien Docteur sûr Gassa. Oui. du glaucome. Avant de poser la question au radiothérapeute, je crois bien que nous avons un élément qui va nous permettre de voir, de regarder les images Ah, pour d'accord. comprendre ce Pour lui, que. par enfin, ce qui se passerait, ce qui s'est passé chez Non seulement chez le docteur Nassai, au docteur. niveau, c'est-à-dire comprendre, regarder au travers des médias pour comprendre qu'est-ce que Voilà. le glaucome. Si on peut repartir de la côté de la Ok. réalisation Alors, pour si la que régie peut nous est balancer au les point, éléments. peut nous balancer cette image, on verra bien ce que le docteur Gassai est capable, d'après les images qui sont proposées. La régie. Là de suivre ce passeur, certaines images hein, du laboratoire, c'est le nom du docteur Gassai, ça se passe je crois chez lui. On trouve des images qui nous parlent de la lentille, qui nous parlent de l'œil, quelque Si, chose. si. Bon, il ne s'agit pas d'une étude, il s'agit Non. de quoi L'œil a beaucoup de maladies. Mais les maladies les plus graves, ce qui est incurable, ça peut être le glaucome. Parce que le glaucome est à l'intérieur. C'est les symptômes du glaucome. Il y a des vomissements, il y a des larmes qui coulent. Et la tache blanche qui se forme au niveau de l'antille de l'œil, donc il va grandir et puis la personne peut devenir aveugle rapidement. Donc le glaucome est la maladie la plus
risques les plus fréquents pour aujourd'hui. Oui. Hein, les plus fréquents aujourd'hui, donc le glaucome et la cataracte. Oui. Hein, donc, les glaucomes, même le blanc, ne comprennent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que l'opération, on ne peut pas opérer quelqu'un qui a le glaucome parce que c'est à l'intérieur de l'œil. Quand on essaie d'opérer, on peut détruire l'œil. On peut opérer. Non, c'est des cas rares. Mais si ça se fait après, ça vient la destruction de l'œil. Parce que les conséquences, c'est détruire l'œil catégoriquement parce que. Destruction totale. Totale. Parce que la personne ne veut pas voir. Comment vous pouvez faire l'opération au moment où il est à l'intérieur de l'œil? Mais docteur, une question me vient à l'esprit, avant que les autres ne parlent. Mais il y a une confusion. Hein. Personnellement, je confonds cette affaire de glaucome là, avec cataracte. Cataracte. Parce que ça se passe dans l'œil. Oui. Mais, et on aperçoit une coloration blanche, une tache blanche qui apparaît sur l'œil. Oui. Hein, au niveau de la lentille. Là. Est-ce que c'est quoi? C'est différent. On parle de cataracte et puis de glaucome. C'est pas une étape avancée de. Oui, cataracte, le glaucome, c'est pas même maladie. Parce que la tache blanche là qui est dans l'antille de l'œil, c'est ce que nous appelons le glaucome. Mais la nappe qui vient pour envahir ces taches là, c'est le cataracte. Le cataracte, c'est la nappe qui est en haut, donc sur l'œil. Mais le glaucome, c'est à l'intérieur de l'œil. Non, c'est pour cela que vous voyez que non, les traitements, c'est un peu difficile, même chez le blanc. Cataracte, on peut opérer, on peut faire des produits et puis c'est fini. Mais le glaucome est un peu difficile pour guérir et puis trouver la solution pour le glaucome. Je m'intéresse un peu aux images, j'aimerais revenir vers les images. Moi, j'ai vu un produit, c'est écrit Talamalam. J'ai vu l'aloe vera, j'ai vu la carotte, la papaye. Talamalam chez nous, oui. Talamalam, ça veut dire en Lingala. À Lingala, non. Moi, les produits que j'ai, ce n'est pas à Lingala, c'est Ita. Ita. Le produit s'appelle Ita, oui, ça est là. Ita. Ita. Donc, chez vous, Ismaël. Non, les produits, c'est. Ita, c'est-à-dire voir. Oui, voir. Les Ita. Ita, ça, c'est embauché. Non, que ce soit embauché ou pas, mais c'est le nom. Oui, là. C'est le nom qui est comme ça. C'est-à-dire la vue. La vue. Voir. Voir. Donc, Ita Kenene. Donc, c'est le voir. Chez nous, on dit étanguissé. Oui. Étanguissé. Donc, on est en train de voir. Donc, les produits là, par exemple, c'est la tension qui amène souvent le glaucome. Mm-hmm. C'est la raison pour laquelle, vous allez voir que ces produits, quand on met, stabilisent la tension. Dans 10 minutes, ils stabilisent la tension. Et puis, le glaucome, tu vas voir que non, la tache, l'antille qui était un peu la tache blanche, là, devient noire quand on met ces produits. Ah. Mais ce qui est un peu marron, les noirs, par exemple les Africains, ne veulent pas utiliser leurs produits. Il veut seulement utiliser les produits qui quittent de loin. J'aimerais quand même passer un regard sur les. Oui, c'est ça l'État en question. Ah. Donc il est à l'intérieur là-bas. Ita Kenene. Ita Kenene. Donc il est à l'intérieur là-bas, si vous ouvrez. Donc, on va essayer de regarder. Il suffit de mettre dans les yeux, il stabilise la tension. C'est un produit. Mais il y a un autre nom à l'intérieur. Il y a un autre produit à l'intérieur. Oui. Donc, comme on. Si la personne, la tension était par exemple à 19. À 19, ça devient à 12. À 12. Oui, parce que la tension normale c'est 12 ou 8. 12 ou 8. Monsieur Gassai, j'aimerais revenir. Pour mettre, J'aimerais d'abord revenir sur les manifestations. Les signes, d'abord, vous avez parlé de la tension. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses à savoir que non, c'est ce que vous souffrez c'est... Oui, la tension, par exemple, le tabac et puis le traitement, non, le traumatisme, les signes. Puisqu'on voit les images, nous avons vu des personnes peut-être qui ont des larmes. Oui. Est-ce que c'est un signe? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des yeux là. Oui, il y a des signes aussi aux yeux, j'allais dire. Par rapport à l'âge. Par exemple, des 7 ans, de la naissance jusqu'à 10 ans, parce qu'un nourrisson peut naître avec le glaucome. Donc là, il y a les larmes. C'est inné. Les symptômes des larmes, là, c'est souvent chez les bébés. Chez les petits, donc les larmes. L'enfant ne pleure pas, mais. Il pleure pas, mais ça coule. Parce qu'il est né avec le symptôme. Jusqu'à l'âge de 6 ans. Jusqu'à l'âge de 6 ans, 7 ans. Et si on ne soigne pas cette maladie? Si on ne soigne pas, la personne devient aveugle.
Là, il va pleuvoir. Oui. Et maintenant, chez les grandes personnes, comment ça se manifeste? Chez les grandes personnes, il ne va pas supporter, par exemple, la lumière au débit. Après, donc, il ne va pas voir de loin. Il verra beaucoup de couleurs dans ses yeux. Après, là, il ne va plus voir. Donc, il voit, il regarde, mais il ne voit pas. Mais, docteur, vous avez déjà traité combien? Et puis, il aura des douleurs au niveau des yeux. Douleurs au niveau oui. des yeux. Au niveau des yeux, il aura des douleurs. Combien de personnes avez-vous traité avec ce produit? Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont reçu le traitement avec le produit que vous avez mis en... Oui, beaucoup de gens. Beaucoup. Même là, partout, on appelle pour envoyer ces produits. Même en France, là, il y a des gens qui appellent, on envoie ces produits. Beaucoup de gens sont guéris. Donc c'est un nouveau produit. C'est un nouveau produit. Créé par un Congolais. Créé par moi-même. Donc la tension, parce que la tension provoque ce que nous appelons le glaucome. Donc on ne peut pas traiter le glaucome sans traiter la tension. Oui. C'est pour... Maintenant chez les petits enfants, j'avais revenu. Oui, est-ce que les petits enfants, le glaucome vient quand maman avait l'hypertension, mais au monde. Donc c'est une maladie héréditaire. Mettre au monde l'enfant avec de formation, par exemple le glaucome. Donc c'est-à-dire que maman était hypertension. Est-ce que ce produit aussi, on peut l'administrer chez les chiens, petit enfant? Les produits, oui, c'est pour tout le monde. C'est tout le monde. Faites attention, parce que nous ne connaissons pas la composition. Qu'est-ce que vous avez mis à l'intérieur? Quelles plantes vous avez utilisées? J'ai l'habitude de dire et de donner les méthodes, de dire à tout le monde de le faire. Mais ça, c'est un nouveau produit. Oui, mais je parce voulais... qu'on dit toujours que non. Et... Nganga Alina plus définition, mon copain n'aille pas. Oui, c'est ça justement que nous aimerions bien comprendre. Parce que c'est un produit que vous avez mis sur le marché. Mais ce produit-là, comment vous êtes pris? Est-ce que c'est par inspiration? Est-ce que c'est parce que vous avez fait travailler? Vous pouvez vérifier ce produit Non, moi, passé par un laboratoire. Souvent avec les comment vous faites? Et quand j'ai un produit, j'amène au laboratoire. Là, j'ai pris des 4 produits au niveau des laboratoires, mais souvent, il n'y a plus de réponse. J'ai pris ces 4 produits au niveau des laboratoires. Quand vous déposez, pour étudier. On ne vous répond pas? Non. Ça même s'il y a des bonnes choses, il fait ça, donc il met ça dans les tiroirs. Ça ne répond pas aux critères. Voilà pourquoi ça répond, mais pour dire, il croit que le docteur Ngassa va s'enrichir à cause de ça. Or, non, ce n'est pas ça. Donc, il met dans le Mais quand c'est comme ça, vous avez créé un produit. Lorsque vous n'avez pas reçu la réponse du laboratoire national, vous n'administrez pas. Non, il donne la réponse chez vous-même. Mais pour donner publiquement, non. Vous-même, vous aurez la réponse vous-même. Mais vous-même, vous ne pouvez rien faire. Les doigts au ciel ne peuvent pas être. Il y a une sorte d'autorisation qui vous demande, par exemple, l'utilisation de tel produit. Quand il y a la réponse, il doit avoir le soutien. Non, docteur Ngassa, donnez-nous maintenant ces produits. Je suis capable de donner. La fois passée, il y a eu ce que nous appelons 20 plus antibiotiques. J'allais donner même 200 litres, combien de litres, je donne. Utiliser ça pour vous, et sans que le produit soit un peu partout. Je peux donner sur les marchés. Ils rendent donne service aux patients. Aux patients, et puis pour aider. Et là, les produits Itala, les samedis, moi je vais distribuer ça gratuit chez tout le monde. Docteur Ngassa, Itala, Itala, comment ça s'est passé? L'essai clinique, est-ce que vous l'avez pris seulement vous-même ou encore vous avez fait une expérience quelque Moi-même, j'ai pris ça et puis j'ai donné aux patients qui souffraient de l'hypertension. Sans contrôler, mais si ça peut engendrer... nous avons une connaissance sur la nature. Quand on a la connaissance sur la nature, souvent on travaille avec les rêves. On peut rêver. Recevez un songe. L'inspiration, le songe, et puis on nous montre comment utiliser. Qui vous parle dans ce songe, docteur? C'est les ancêtres. Les ancêtres sont déjà morts. Et Dieu lui-même aussi, il nous parle. Quand on prend je crois que c'est une dimension que l'ancêtre ne maîtrise pas. Spirituelle. Donc on prend ce produit, on essaye. Là, on a essayé. L'hypertension, comme on a essayé. Ça a donné de bons résultats. Ça a donné de bons résultats, très bons résultats. Là, je suis là, c'est lui qui va douter. En tout cas, je suis prêt à aller même aux États-Unis faire le débat pour ces produits Ita. Ah bon? Oh oui. Vous êtes prêt pour aller représenter le produit? Pour aller représenter et puis faire l'expérience. C'est pour cela, ça, comme c'est une expérience réussie, j'appelle tout le monde le samedi, je vais donner ça gratuit. Et puis, ça sera sur place. Avec l'appareil, celui qui a l'hypertension, on met. Et puis, on essaie. 10 minutes après, on vérifie encore la tension. Alors, pour parler de glaucome, docteur, ce que nous sommes maintenant, j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous procédez.
Est-ce que quelqu'un qui remarque, par exemple, qu'il a les maux de tête ou alors des nerfs qui se tirent, il a la tension telle que vous dites, et ça veut dire que c'est déjà là le signe de cette maladie? Oui, la tension, ça provoque le glaucome. Mais ce n'est pas le signe de glaucome. C'est quel type de tension? Hyper ou hyper? Non, hypertension. Hypertension. Quand ça monte. Mm-hmm. Hein, comme la tension, quand ça monte, donc ça crée dans le sang, dans les artères, donc la pression élevée. Donc cette pression élevée, comme les yeux ne peuvent pas supporter cette pression, donc quand ça arrive dans les artères oculaires au niveau des yeux, ça crée maintenant le flou de vision. Quand ça crée le trouble de vision, ça peut créer les douleurs. Ça crée les douleurs, ça peut créer la tache blanche au niveau des yeux. C'est le glaucome provoqué maintenant par la tension. C'est-à-dire que dû au fait qu'on peut être fumeur. Oui. L'alcool aussi, Oui, l'alcool aussi. Les ivrognes, parce que même ce que où on va aller whisky, quand quelqu'un prend, après il plaît, la figure devient, donc il plaît, il prend le whisky, l'armoire là. Donc ça crée, ça peut aussi créer des maladies dans, au niveau de l'œil. Donc la prise de manière exagérée, exagérée du cœur, par exemple. Des trucs brusques comme ça, ça crée des maladies au niveau des yeux. Par exemple, le traumatisme brusque, ça peut créer. Dans ce cas, que dire de le cas de la prévention, comment faire pour se prévenir? La prévention, tu vois, chez les Blancs, ils respectent l'alimentation. Par exemple, les carottes. Ça, c'est bon pour les carottes, c'est bon pour les yeux. Vous les bouffez Les papayes. Cru comme ça. Les papayes, c'est bon pour les yeux. Donc, il faut chercher des trucs qui peuvent contribuer pour avoir la vitamine A, par exemple. C'est bon pour l'organe. Donc, où pouvez-vous la trouver? Les carottes. De ceux qui nous suivent veulent bien. Non, la vitamine A. Oui, dans les marchés, il y a des trucs qui se vendent. Par exemple, là, il est dit que non, un homme doit manger 5 fruits par jour. Mais aujourd'hui, c'est pas facile. On voit les. C'est facile, mais selon nous, c'est pas facile parce qu'on est habitué de voir ce qui est mais bien. Les gens prennent quand même la bière. Mauvais. Ce qui est mauvais, on voit ça, ce qui est, on voit ça bien. Ismaël, les gens prennent quand même la bière. Parce qu'à 500 francs. Mais Ismaël, 5 fruits à 500 francs. Nous avons pris beaucoup de temps. Le téléphone n'a pas été communiqué. Il y a des gens qui aimeraient bien appeler. Oui, le numéro de téléphone est affiché. Est affiché. Voilà. Parce que là aussi. Numéro est fonctionnel. Appelez par ce numéro. Le docteur est là pour vous poser toutes les questions possibles. À toute fois. En ce qui concerne. Quand on vient aussi, on lui montre quelque chose. La fois passée, on a démontré pour les hommes. Cette fois-ci, j'ai amené aussi pour les femmes. Les femmes. Oui, effectivement, c'est la question que j'allais vous poser. Je trouve devant vous. L'autre produit, je crois qu'on on a l'habitude de voir ici, mais l'autre bouteille, je vois là-bas comme un gorille. Est-ce que c'est un taureau? Est-ce que c'est un homme? Oui, nous avons aussi qui fait une démonstration de muscles. Les hommes aiment trop pleurer. Ici, nous avons l'ail, nous avons le tangawis, le gingembre. Donc là, c'est pour eux. La faiblesse sexuelle, par exemple. Parce que les gens appellent le monsieur pour demander qu'est-ce que vous avez expliqué. Non. Écoutez, prenez les stylos, j'explique. Ça, c'est l'ail. Ça, c'est le gingembre. Le tangawis. Oui. Donc, pour la faiblesse sexuelle, ça ne sert pas d'aller de midi à 14h. Donc, vous allez prendre le gingembre, vous allez prendre l'ail et découper en petits morceaux. Serge, mettre nous avons, dans un litre d'eau. Mettre quelqu'un dans qui un litre d'eau. Ça va. Deux jours après, prendre un litre, un verre le matin, nous un verre le soir. Un téléspectateur. Ça, c'est pour la faiblesse sexuelle. Oui, alors. Pourquoi qu'il faut le prendre? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Je voudrais poser une question au docteur. C'est le monsieur Agapi. Je voudrais poser une question au docteur concernant le glaucome. Allez-y. Allez-y, monsieur. Allô? Oui, allô, on vous écoute. Vous pouvez poser la question au docteur, il vous écoute. D'accord. Ben, j'aimerais qu'il nous donne son adresse, là où il consulte, comme ça, ça sera plus palpable, plus effectif. Il le fera tout à l'heure. Et son l'adresse du cabinet, de son cabinet, et à ce moment-là, on pourra aller sur place. Mais tout à l'heure, il a parlé d'un séminaire où il va distribuer les produits. Ça se passera où et quand? Voilà, il va donner la réponse tout à l'heure. D'accord, merci bien. Merci.
Monsieur le traducteur, oui, en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de cette maladie. Oui, hein. Je venais de le dire, pour la faiblesse sexuelle, n'allez plus loin. Prenez l'ail et le gingembre, coupez en morceaux, mettez dans un litre d'eau. Après, deux jours après, prenez un verre le matin, un verre le soir. Vous souffrez de la faiblesse sexuelle. C'est un médicament très efficace. Nous avons un téléspectateur. Oui, on peut le prendre. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour madame. Pour notre faiblesse sexuelle, je n'ai pas bien compris là. D'accord. Là, il y a notre le tarawis. D'accord, tout à l'heure. La dose, docteur. Bonjour. Oui, moi je sais, parce que la faiblesse, la fois passée, j'ai parlé des œufs et des noix de coco. Mm. Mais tout ça, c'est pour la faiblesse. Les gens aiment la faiblesse sexuelle. Or, il faut chercher la grande maladie. De vouloir, oui, la combattre. Prendre le gingembre, l'ail, c'est simple. Vous coupez en morceaux, bien décortiquez, mettez dans un litre d'eau. Des jours après, vous allez prendre maintenant un verre le matin, un verre le soir. Pendant combien de jours? Pendant que ça va finir, ça peut faire trois jours. Juste un litre. Un litre. Oui. Un verre le matin, un verre le soir, ça peut faire trois jours. Ça, c'est pour la faiblesse sexuelle. Bonjour, monsieur. Oui, allô, bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, c'est monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je voulais causer avec le docteur. D'accord, il vous écoute. Ah. Bon, docteur, je suis monsieur Okoko, je suis à Port-Noir. Allô? Oui, oui. Allez-y. Oui, je suis à Port-Noir. Je voulais connaître. À Port-Noir, là, est-ce que même il a un cabinet? Ou bien seulement à Boisa? Il va vous répondre tout à l'heure. Vous n'avez pas une autre question particulière? Donc, j'aimerais savoir. Là, on a parlé chez les hommes. Oui. Chez les femmes aussi, il y en a. Rudy, là. Chez les femmes, ça se passe comment? Oui, ça, on appelle ça Yassiri. Yassiri. Yassiri, donc, pourquoi Yassiri? Yassiri, c'est pour les femmes. Oui. Parce qu'aujourd'hui, je constate que nous, il y a Serré, beaucoup de hommes. Serré, c'est là où c'est. Oui, c'est là où. Donc, là où il y a j'ai constaté pique-nique. Que nous, il y a beaucoup de hommes. Quand il va, après, il vient, il dit non, celui-là n'est pas bon. Donc, il change les côtés. Or, cette fois-ci, il ne vaut plus changer les côtés parce qu'il y a Yassiri qui est venu. Docteur, explique un peu, docteur. Lutte contre l'infidélité. Lutte contre l'infidélité. Donc, docteur, je suis l'unique femme. On peut mettre ça dans le cuvette. On s'assoit, on fait le bain intime. Ou bien on met le coton et puis on met à l'intérieur. Mais ça sont des fétiches. La dose, ça prévoit les infections parce que la femme est exposée à beaucoup des infections, de toilettes, tout. Mais sans quand vous mettez, ça fait sortir la saleté, les infections. Et puis là-bas, ça devient un peu sec. Quand ça devient sec, ça devient ce que nous disons. Mais quand c'est sec, ça fait problème. Ça pose problème, docteur. Quand c'est sec, ça pose problème. Quand c'est sec, la personne, l'homme peut partir, il est à 100 km, il va toujours penser, il faut que je répare. Mais l'utilisation, docteur. L'utilisation, mettre un peu dans le seau ou bien dans une cuvette et puis s'asseoir. Et c'est un produit qui est déjà complet. Oui, c'est complet déjà. Ou mettre dans le coton et puis mettre à l'intérieur. D'accord. Nous avons un téléspectateur qui appelle. Allô, bonjour. Allô, monsieur. Allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour. C'est juste l'émission qui passe. Dites-le là, c'est là que j'ai pris le numéro pour causer avec le docteur. Oui, vous d'accord. Êtes en direct. Vous êtes en direct. Le docteur va vous donner son numéro tout à l'heure. Ok. Merci. Voilà. Docteur. Il y a un produit que je suis en train de voir. Non, et puis il y a Bazooka anti-diabète. Tu vois, les diabètes jusqu'aujourd'hui. Même les grands médecins ne comprennent pas qu'est-ce que le diabète. Quand ça rentre dans les urines, on appelle ça glycosérie. Et puis dans le sang, on appelle ça glycémie. Mais la glycosérie, je peux déterminer ça comme une infection parce que c'est dans les urines. Quand ça crée dans les urines, c'est la glycosérie. Donc ça peut créer aussi l'infection. C'est pour cela le produit là, Bazooka anti-diabète. Quand vous prenez un litre, en tout cas, c'est fini. Il y a aussi nous la avons poudre. Un téléspectateur. Il y a aussi la poudre. Allô, il y a plus assez, c'est le dernier. On prend le dernier. Allô, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Alors, on vous écoute. Est-ce que je peux poser deux questions au docteur? Oui, allez-y rapidement. Allez-y rapidement. Il y a assez de temps. Bon, moi, j'ai un problème. Je suis né avec hémorroïdes. Lorsque je grandis, j'ai l'âge de quarantaine, mais j'ai commencé à sentir les faiblesses sexuelles. Ça veut dire quoi? Merci beaucoup. Le docteur va vous répondre. D'accord. Même après l'émission. Lundi, là, l'hémorroïde, c'est gratuit là-bas. Okay. Chez moi. Chaque lundi. Chaque lundi. Docteur, l'hémorroïde est gratuit. On s'achemine vers la fin de notre tranche.
je crois que vous avez déjà des téléspectateurs qui vous ont demandé votre adresse à Pointe-Noire. Quoi qu'il fallait répondre. À Pointe-Noire et à, ici à Brazzaville, rapidement. Oui, à Brazzaville, par exemple, le samedi, nous avons ce traitement gratuit pour l'hypertension, pour le glaucome. Le traitement est gratuit pour le samedi. Tout ça, c'est pour montrer l'expérience. Voilà. Donc, nous sommes en face de CESPAC, à Mikalou, avant le lycée Thomas. Rikindaki, numéro 2. Okay. Notre numéro, c'est le 06-833-54-84. 06-833-54-84. À Pointe-Noire, je suis collé avec la pharmacie Mongokamba en face du cimetière, là où on voit les graviers, okay. Où vous appelez à 05 504 31 80. Voilà. À Oyo, nous sommes collés avec les sous-préfectures. Voilà, ils ont compris. Ils pourront vous appeler au numéro. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. En tout cas, l'équipe de Dites-le de cet après-midi vous dit intimement, infiniment merci. Merci donc à toutes les équipes partant de la régie, de la TDC à la régie, jusqu'au Nodal, en passant par à la régie, en passant par le Nodal. Nous remercions la réalisatrice Sidonie Bouya. Nous remercions également le cadreur du jour, Otamba, qui nous a fait plaisir cet après-midi. Merci donc à vous, chers amis de Petit Écran. On se retrouve au vendredi prochain pour un autre numéro.